Et le beau réflexe, buvez Cristal. Vista Chic, la chaîne de restaurant numéro 1. Huile Gnotto, sans cholestérol, riche en vitamine E, enrichie à la vitamine A. Les huiles Twins, de choix de la qualité. Il y a des magazines parce qu'on aime tout ça. Avec Vivino, consommons l'Afrique. Gingembre, anis, romarin, clou de girofle, poivre blanc ou poivre noir, chers amis, notre cher continent l'Afrique regorge de saveurs aux multiples parfums et goûts. Alors ma question pour vous, est-ce que vous êtes plus viande rouge, viande blanche ou bien poisson? Vous allez le découvrir dans ce nouveau numéro de votre émission Vivina et nous allons surtout passer de la ferme à l'assiette. À vos tabliers. Ancêtres ont répondu à ma prière. Oshé. Et ton vieux matakolo. Oshé. Oh. Amatitio, mais comme là. Ouais, et le voyage. Bah, ça s'est très bien passé. Où sont mes poulets? À la ferme. Je suis arrivé in copresso à cause de. Ah. Je devais te servir. Donc, tu as vu. Oui. J'ai même découpé avant d'arriver. En fait, doucement. Ok. En tout cas, Tobio, mes voeux étaient exaucés. Donc, ici, il y a quoi? Du poulet? Ouais, coquelonnant. Coquelonnant. Agnilant. Agnilant, voilà. Le bœuf, la viande du bœuf. Mm-hmm. Et le sahé, c'est. Sahé, c'est une cantate. Voilà. Oh. Ici, c'est coquelonnant, quoi. C'est du bon poulet de chez nous. Oh mon dieu. Voilà. La viande de bœuf. La pantale. Donc tout ça, c'est comment? On va manger, non? Ah non, et Amma, tu as le choix. Ah ouais. Tu as le choix, tu peux choisir comme tu veux. Je sais. Tu as l'honneur, en fait. Oh bien. Voilà. Mmh. Donc, je crois que Amma va choisir. Normalement, j'aime beaucoup la viande, mais aujourd'hui, là. Attends, on va faire un tombeau, là. Attends. Ok. Tu sais, Kemaso, papa, mais ma soeur, et à goût. Ok, je choisis. C'est un plaisir, je prends le poulet. En tout cas, c'est quand même notre spécialité. Ah, ben oui, en plus, c'est papa qui a choisi, donc. D'accord. Papa et ma soeur, oui, poulet. Voilà, je respecte. Bon, là, je vais. Si je vais commencer la cuisine. Oui, il n'y a pas de souci. Bien après, sûr. Je viendrai présenter les épices pour assaisonner. Les voilà. Épices qui m'ont ramené vers ici. Combien? Voilà. Depuis. Depuis ma ferme. Bon, on va. J'aurais besoin de du gant. Oui, bien sûr. Je prends mon gant. Oui, minute. Voilà, comme là. Je vais aller mettre ici. Oui, bien sûr. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ici. D'accord. Voilà. Oh, j'ai hâte. Comme là, j'ai hâte. Non, voilà, ça est là. La main gauche ou droite? Oh, comme tu veux. Okay. C'est comme Kemason, hein. Kemason. Main gauche ou main droite, c'est même chose. Ça marche. Oh, super. Voilà. Je vais pouvoir m'allier le. Exactement. Poulet. Parfait. Merci. Nice. Bon, donc mes poulets, mon poulet. Voilà. Hein? Je vais présenter les épices. D'accord. Ici, j'ai de. C'est du gingembre. C'est ça. Du gingembre moulu avec beaucoup de passion et d'amour. De Abipis. De Abifood. Voilà. Très ici, c'est le poivre noir. Le kadi. C'est ça. Le piment. Je ne sais pas si tu aimes assaisonner avec du piment. Moi, j'aime bien. J'aime pimenter. Les assaisonner. J'aime pimenter. D'accord. C'est comme mes cheveux. Ah, d'accord. Okay. Ici, c'est le bouillon. Et puis, nous avons l'huile Gnotto. L'huile Gnotto. L'huile Gnotto que nous allons utiliser la pour. La meilleure huile qui. Ah oui, que nous allons utiliser pour. D'accord. Et du sel. Du sel.
Voilà. Parfait. Je pense que là, c'est bon, on est bien. Hein. Ouais, j'aurais besoin de pinceau. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, j'emmène aussi en même temps. Ah, d'accord, ça marche. Voilà. Je vais. Le petit bol pour pouvoir faire là. Je mets le gingembre. D'accord. Je t'aide un peu. Hein. Oui, avec plaisir, je mets un peu de poivre. Ok. Je vais débarrasser tout ça. Le cavi. Ah. Je mets ça dans le frigo. Et puis, le bouillon. Ok. Bon, Amma, tu aimes le piment? Moi, j'adore le piment. D'accord. Je vais donc assaisonner avec un peu de piment. Ok, super. D'accord. J'ai tellement mangé de piment, regarde, ça a été assez mangé. Bon, maintenant, je vais mettre de l'huile. Oui. Tu consommes assez d'huile? Quand ça dépend si c'est la bonne qualité. Donc, voilà, tu c'est ça. Salé. Ah, exactement. Okay. Comme c'est l'huile Gnotto, c'est de la bonne qualité. Oh. On peut se permettre, mais pas trop quand même. Ok, hein. C'est trop. Ok, super. Donc là, on va un tout petit peu. Voilà. Ouh, ça commence déjà à sentir bon, hein. C'est aussi la qualité des épices. N'est-ce pas? Les épices, Abby, franchement, pour moi, c'est les meilleurs. Abby, food, les épices, Abby, pour moi, c'est les meilleurs. Ça sent. Je te l'avais dit. Le parfum, déjà. Wow. Oh, loulou. On dirait que tu passes par le marché chez les bonnes. Oui, exactement. Hein, on sent ce parfum. On sent épicé. Exactement. Ouais. Hein, on sent bien le gingembre et tout. Et tout. Donc là, du coup, d'accord, on se calme. Une pensée, please. Une pensée. Mais ta viande là est tendre, hein? Nos viandes, en fait. Ça, c'est du bon. Mais comment ça se fait que c'est si tendre? Ça dépend de la qualité de ce qu'il consomme, en fait. Ce que le poulet consomme? Voilà. Mais vos poulets, ils mangent quoi? Nos poulets, d'abord, ils sont élevés sur parquet, c'est-à-dire ils sont élevés à l'air libre. D'accord. Ils ne stressent pas. C'est ça. Et nous leur donnons aussi le maïs, le mil, mais surtout, ils picorent un peu partout. Mmh. Ils ont de l'espace où se nourrir. En fait, ils sont vraiment laissés, voilà. Dans la cour, comme le terme technique, c'est ils sont élevés sur parquet. Sur parquet, ça veut dire qu'ils sont pas enfermés. Voilà, l'environnement est sain pour eux. Yeah. Ils sont un peu éloignés de tout ce qui est toxique. Mmh. Ça le fait pour eux. Mais c'est extraordinaire, comme là. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est vrai que sur le marché des tournées, on voit beaucoup de personnes qui vendent du poulet, mais... Ouais. Pourquoi est-ce que je viendrais spécialement chez vous? Il faut dire aussi que nous avons une équipe assez dynamique et fiable. Mm-hmm. Nous ramenons aussitôt les produits vifs. Je peux aussi? Oui, avec plaisir. Nous ramenons les produits aussi vifs que abattus de la ferme à la ville. Nous avons un service de livraison. D'accord. Donc, nous avons même une boutique à Lomé sur le carrefour Totti. C'est ça. Juste en face de la pharmacie Solidarité. Carrefour Totti, oui, ça c'est on dépasse station Totti, station Totti, Totti, tout au long vers en allant vers Limousin. Oui. Nous sommes juste en face de la pharmacie Solidarité. D'accord. Voilà. Et puis il faut dire, nous avons des spécialistes en boucher, c'est-à-dire les vrais bouchers, c'est ça, qui sont là, qui vous donneront même des conseils, des astuces pour comment préparer un poulet, les bienfaits du poulet, c'est ça, dans nos locaux. Du coup, est-ce que Fortunis fait que dans du poulet? Non, parce que là, non. On a vu de la viande rouge. Ouais. Et puis, on a vu de la pintade. Je l'ai déjà même dit, genre, Fortuny, c'est en groupe, en fait. Mm-hmm. On fait dans les volailles et la viande de bœuf, et même les œufs. Comme l'info fait d'abord. Ah, on doit manger. Il est midi. Non, vraiment. Ok. Mm-hmm. Donc, oui, Fortuny se fait aussi dans tout ce qui est viande rouge. Voilà, même les œufs. Même les yeux. Et puis nous avons un service de livraison assez rapide. D'accord. Donc là, je suis à la maison, il est 8h. Je me dis, qu'est-ce que je vais manger à midi? Je ne sais pas. Tiens, je regarde sur les réseaux sociaux. Oh, Fortunis, groupe, ok, agro-business, ouais. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est viande, ok. Tout ce qui est volaille. Je prends mon téléphone, je les appelle. Si vous le voulez, même abattu vivant. Donc moi, je dis, voilà, parce que moi, j'aime pas trop aussi quand c'est congelé. Donc moi j'aime bien quand c'est frais. Quand on peut me tuer mon poulet. Nous gardons nos produits à une température assez normale qui produit la viande fraîche. C'est extraordinaire. Ouais. Donc vraiment, comme on dit le slogan de la ferme à l'assiette, en fait. C'est en quelque sorte notre slogan de la ferme à l'assiette. C'est un seul processus avec Fortuny. Ça fait vraiment la différence. Hein. Ça fait vraiment la différence. Et depuis combien de temps est-ce que vous existez? L'aventure a commencé depuis 2018.
D'accord. Fin 2018. Où, Oui, il ne faut pas les aider, moi j'aime bien. Depuis 2018. Depuis 2018, où le promoteur, c'est un jeune ingénieur génie électrique. D'accord. Qui a fait un constat, c'est que le Togolais mange mal. Le Togolais mange mal, on mange tous mal. Naturellement. C'est-à-dire qu'il n'a même plus quoi. Oui, oui, surtout le produit importé. C'est ça. Le poulet congelé, comme on l'appelle, coucou le mort. Oui, coucou le mort. Coucou le mort. Yeah! Yeah! Non, faut pas dire alors, ça. Yeah! Alors que chez nous, alors que chez nous, c'est pas ça, c'est du togolais en fait, c'est du made in Togo. Genre, yeah. Je peux même dire nos poulets sont de Thierry. C'est ça. Et Kokoloé, Togo Thierry. Bah Emma. Togo et Kokoloé. Je ne connais pas prendre l'accent de Thierry, sinon j'allais prendre l'accent de Thierry. Mido bonnet Thierry, ton pété. Ça, c'est l'accent de chez vous. Là. Donc, c'est le Palimé. Et de chez moi aussi, parce que papa est de Palimé. Ah, d'accord. Mais du coup, comment, au côté hygiène, est-ce que vous avez, je ne sais pas, des vétérinaires? Bien sûr, bien sûr. En fait, nos viandes, surtout nos viandes de bœuf, sont testées par un médecin agréé qui vient mettre maintenant cachées avant qu'on les ramène. Merci. C'est-à-dire, nous ramenons les produits de la ferme. C'est à l'heure qu'on les abat au laboratoire. C'est ça. Et puis, on vient tester la qualité du produit avant même qu'on le mette sur le marché. D'accord, c'est extraordinaire. Mais du coup, est-ce que Fortunis, donc on peut le trouver là où vous avez dit? Fortunis, nous sommes situés, nous avons deux points de vente. Nous sommes au niveau de l'église catholique, juste en face de l'église catholique de Télésou, à côté de Télésou, et au niveau du rond-point dont je viens de parler, le rond-point au niveau de Toti, en allant vers Limousine, juste en face de la pharmacie solidaire. Right. Donc ça, c'est les deux points de vente. Donc du coup, si je tape sur les réseaux sociaux Fortunis... Page Facebook, vous trouvez la page Facebook. Direct. Ouais. Numéro de téléphone, itinéraire, tout. Donc vraiment, aujourd'hui, pour vous trouver, c'est facile. Très facile. En plus, nous sommes bien visibles sur le tronçon. C'est ça. Ouais. Mais c'est magnifique. Moi, je pense qu'on est bon là. Donc du coup, si je comprends bien, Fortunis travaille, c'est-à-dire... Il y a Abby, les épices, vous conseillez donc les épices à Abby. Nous avons même quelques produits de Abby chez moi à la boutique. Ok, ça c'est très très bon. Nous faisons la promotion des produits locaux. Absolument. Ouais. Et vous m'avez parlé d'un boucher, vous avez des bouchers. Est-ce que quand par exemple la clientèle arrive et que par exemple, bon, je veux acheter de la viande et je veux faire un menu au soir pour la famille, mais je ne connais pas très bien, est-ce qu'on peut donner des trucs et astuces? Nous avons des spécialistes là-bas qui vous envoient des conseils, même des. De petits menus en fait. C'est ça. Pour nos produits. Même si vous voulez la viande de bœuf avec os ou sans os, vous les aurez avec nous. À Fortunis Agro. Fortunis pour la vie. Fortunis pour la vie. Fortunis pour la vie. Parce que de toute façon, tout Africain, quel Africain est-ce que vous connaissez qui n'aime pas le poulet, la viande de bœuf, les œufs automatiquement. Ouais. Et alors du coup, comme les poules sont tellement bien élevées, elles font automatiquement des œufs magnifiques. Voilà. En fait, l'objectif même de Fortunis Agro, c'est quand même d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, à pouvoir couvrir en matière de poulet, en matière de volaille, le Togo d'abord. Parce que c'est le constat que nous avons fait, le constat qui nous a poussé. Le constat qui nous a poussé à aller à créer cette ferme, c'est d'abord le Togolais en fait. Bien sûr. Bien manger. C'est ça. Bien manger, Manger sainement. Et manger sainement, de la ferme à l'assiette. Et surtout la rapidité, parce que Amar rentre du boulot le soir, elle fait un tour sur Fortunis Agro, elle prend son poulet, elle rentre à la maison déjà battue, genre il suffit juste de couper avec les épices de la vie. Genre c'est vite, et comme ce que je suis en train de faire ici quoi. Merci à tous nos partenaires pour la confiance, chers amis. Je suis avec, de la structure Fortunis Agro Business, spécialisée dans les volailles et dans la bonne viande, la chair tendre, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Là, on a cuisiné, donc on a fait on a mariné avec les épices Abby. Nos bons morceaux de poulet. L'envie de monde. Bien sûr. Avec, comme quelqu'un le disait, il faut savoir où demander. Quand j'ai mal au ventre et j'ai mangé ce produit, il faut savoir aller où chercher. Merci. C'est-à-dire le retour de... La traçabilité, le retour, absolument. Il faut que ça existe. Et il faut que le consommateur qui est en train de manger, il sache exactement, ok, je suis en train de manger ça et ça vient d'où? Et comment est-ce que ça a été élevé? Comment ça a été produit? Et puis... Il faut aussi rajouter que nous avons un service de livraison. C'est ça. C'est-à-dire vous passez une commande. Très important. Oui, vous passez une commande, on viendra vous livrer à destination dans une heure tout au plus. D'accord. Oui. Surtout ça, c'est à Lomé. C'est ça. Maintenant, vous pouvez même passer des commandes à l'intérieur du
pays, c'est-à-dire de Sinkassi à Nikko. C'est ça, dans du nord au sud de l'est voilà, à l'ouest. Nous sommes là pour couvrir. Mais attendez, mais vous nous êtes sommes, des magiciens. Nous sommes là pour couvrir. Vous m'appelez par magie. C'est bon. Espèce de petit sorcier. Bon. Oh, mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Et du coup, il y a de la viande blanche, de la viande rouge, il y a des œufs. Oui. Y a le conseil qui est là, il y a la qualité de la viande, il y a la rapidité, il y a la proximité, il y a la traçabilité. Mm-hmm. Mon Dieu, mais enfin, mais c'est Fortuny Sagro. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur notre page Facebook, bien sûr, sur un site web où vous pouvez aller même passer les commandes là-dessus pour se faire livrer. Mais dis donc, ça c'est du 400%, ça, c'est pas possible. Naturellement, c'est du poulet 2.0. Ah, poulet 2.0. Bon, sur ce, moi, je vais enfourner tout ça. Ok. D'accord. Bon, je donne les informations. Mais oui, peut-être le numéro de téléphone. D'accord, ça marche. Le groupe Fortuny Sagro est une entreprise créée par un jeune ingénieur génie électrique qui s'appelle Isaac Denhal. Moi, je suis juste le chargé de communication. Nous sommes situés au niveau de Totti, juste à côté de Sandarco. Je ne veux pas faire de la pub pour eux, désolé. Mais juste plutôt au niveau du rond-point total Totti, en allant vers... Limousine, nous sommes juste en face de la pharmacie Solidarité. Pour nous contacter, nous sommes sur le 99 93 30 93 et le 93 39 16 93. Nous avons aussi notre annexe qui est au niveau de Agouet-et-les-Souffles, juste en face de l'église catholique de Agouet-et-les-Souffles. Nous sommes juste en face de l'église catholique de Agouet-et-les-Souffles. Nos produits, les volailles naturelles, les œufs et les dentales. Donc, passez vos commandes, vous serez livré à temps et puis surtout dans consommer local. Consommer nos produits, consommer Togolais, consommer Fortuny Sagro, consommer nos pentades, nos poulets, nos bovins, nos poussins, nos pentades d'eau. Nous avons tout. Nos œufs aussi, sans oublier. Merci infiniment, en tous les cas, comme l'enquêteur, pour Fortuny Sagro Business. Je suis vraiment ravie parce que dans notre cher petit pays, il y a quand même de la qualité. Hein. Il y a de la qualité dans les épices avec Abbey Food. Il y a de la qualité dans les volailles et dans la viande rouge. Hein. Il y a une traçabilité, il y a une rapidité, il y a un service avant et après vente. C'est extraordinaire. Merci, chers amis, de nous avoir suivis dans ce numéro de Vivina où j'ai eu vraiment à découvrir des jeunes incroyablement talentueux dans ce qu'ils font, dans l'entrepreneuriat. Un gros coucou au CEO donc, du groupe Fortuny Sagro, Monsieur Isaac Denhal. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci, chers communs. C'était un plaisir. Hein. Comme quoi, dans notre petit pays, on a des grandes personnes qui font de grandes choses. Merci beaucoup à Abby Food, hein, cette petite dame, petite en taille, mais grande dans la tête et dans le cœur, avec ses épices incroyables, extraordinaires. Merci pour la qualité. Hein, du produit que vous nous livrez dans nos assiettes, que ce soit au niveau de la viande blanche, de la viande rouge ou même des œufs. Chers amis, consommons l'Afrique, consommons local. On se retrouve pour le prochain numéro. À très vite.